Salut à toutes et à tous, ici Kalion et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de notre aventure sur le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Et aujourd'hui nous allons faire la mission l'antre de Shelob. Alors personnellement, le chemin des Hobbits dans le jeu c'est celui que je préfère le moins. Surtout cette mission en fait, je l'aime pas trop parce qu'elle est un petit peu chiante. Et donc on va la faire quand même, on n'a pas le choix hein. Et on va rejouer une nouvelle fois Sam. Souvenez-vous, dans le film, Frodon envoie chier Sam dans les escaliers juste avant de monter, car Gollum l'a un peu monté contre lui. Et Sam, au moment de descendre, et ben, il retourne le voir et ça va chier. La perfiderie de Gollum pourrait entraîner la ruine de nos plans et ne guider Frodon que vers sa perte. Vous ne le voyez pas, n'est-ce pas ? Précieux, tu seras à nous! Il nous mène droit dans un piège! Lorsque les hobbits seront morts! Pourtant, l'espoir demeure. Voilà! Donc, on incarne Sam une autre fois. Et on va tout simplement voyager, enfin voyager, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais on va s'aventurer dans l'antre de Shelob. On va affronter des araignées, super. Enfin moi personnellement je n'ai pas peur des araignées, ça me fait rien. Mais c'est vrai que... Ah mais ta mère! Ceux qui détestent les araignées, je sais pas si cet épisode vous allez pouvoir l'apprécier comme il se doit, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'araignées. Oh, bonjour monsieur! Je m'en vais. Donc ça c'est la fameuse cape dont je vous parlais. Enfin le fameux pouvoir du moins. Vous êtes invisible. Et vous avez un petit cadran en bas à gauche qui vous permet de savoir jusqu'à quand votre invincibilité, putain je perds mon français, s'en va. Donc il y a beaucoup de chemins aussi, ça c'est ça qui est super chiant. Bonjour. Allez venez. Et je fais des vagues avec mon épée, putain mais ils veulent pas hein. Et en plus ils prennent tellement pas de dégâts, c'est tellement chiant. Eh bien, on est bien. Voilà, mode parfait. Tuer deux araignées, on est en mode parfait. Problème. Tiens. Biatch. Tiens. Et bim. Voilà, gros commentary quand même hein. Bim bam, tchac tchac, tiens voilà. Je veux dire je suis très varié. Alors je sais absolument pas où il faut aller, c'est ça qui est chiant. C'est sûrement pas par là en fait. ça c'est aussi un gros problème. Ah bonjour. Comment vas-tu? Apparemment ça a l'air d'aller plutôt bien. Oh my goodness. Oh my damn. Alors là il y a les petites araignées encore. Ah merde. D'accord, t'as fait un salto genre cascadeuse et tout quoi. Oh tu te calmes. Pas vrai ça. Ça c'est quand il pousse Sam d'ailleurs, je l'ai pas dit hein, mais voilà. donc de ce fait là faut faire très attention en fait. Ça sert à choper la potion qui est au bout. Et si on va dans les araignées noires, on perd de la vie tout simplement, c'est très con. Alors faut faire pareil sur le chemin du retour et aller doucement, parce que sinon la pote que vous avez pris ne servira à rien. Vous allez reperdre la vie que vous avez gagnée, donc ce sera un peu débile. Mais en tout cas il faut faire attention au groupement d'araignées noires, car ce n'est vraiment pas un endroit où il faut aller. Merde, je croyais que je pouvais la tuer. Oh, je te calme. Boum. Si j'ai une finale, tu vas faire quoi? Attention aux araignées noires quand même. Non, parce que à mettre vraiment cher hein. J'espère ne pas tomber dedans pour ne pas vous le montrer, mais... Oh un orc. Salut. Ah, pas envie que je le termine, très bien. Mais vous allez arrêter de vous défendre, oui? Vous entre-défendre? Mais oh! Qu'est-ce que tu fais? Putain, ils sont tous en train de se défendre, quoi. C'est n'importe quoi. Genre, ils étaient en train de se taper sur la gueule au début, puis après... Oh bah tiens, y a un hobbit, on va tous le taper, c'est drôle. Genre, 4 fois, j'ai essayé de tous les achever, ils sont tous défendus, quoi. C'est n'importe quoi. Elle entraide, c'est pas comme ça. Tu le sais. Donc c'est pas par là non plus, en fait. Tristesse. Peut-être par là. Ah effectivement,
Wow, bonjour. Je peux mourir, merci. Oh, les mecs là. On se calme, hein. Ah oui, ça c'est bien ça. Yata! Oh merde, j'aurais pas tué. Ah si, c'est en illimité, ça va. Non, parce que franchement, j'aurais été emmerdé parce qu'il faut brûler la toile d'araignée avec la torche. Donc forcément, j'aurais été un petit peu dans la mouise si ça n'avait pas marché. Oh! C'est pas vrai! Tiens! Mange! Ah, ça brûle bien. Hein. Au revoir. A bientôt, plutôt. Je dois trouver un moyen de le contourner. Ah, salut. Ce n'est pas moi. Ah oui, je l'ai aussi ça. Ah, je vais vous le montrer. Pouf. C'est ce que je vous avais montré il y a... Wow, il y a plusieurs épisodes en arrière maintenant. Ça inflige des dégâts sur la durée aussi. Donc c'est vachement fort. Alors avant de partir, on va quand même les buter ces salauds parce que... Il y a un intrus, venez, je suis votre homme. Ah merde, il y a un bouclier. C'est juste un avorton. Emballez-le. Alors c'est aussi pour ça que je déteste cette mission. Enfin que j'aime pas trop. Parce que Sam, enfin un hobbit contre des orques, c'est vraiment pas la meilleure solution. Mais bon, je le fais parce que je veux XP en fait. Wouh. Heureusement que j'ai pari. Tiens, mode parfait, boum. Hop là, roulade. Tac. Et tac. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouf! C'est vraiment trop de talent. Hein. Beaucoup trop. Aïe! Tiens! Merde, 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 merde. J'ai renversé le truc. Quel abruti. Pouf! Jugement final. Oula. À faire vraiment attention, j'ai plus de vie. Hein, donc. Hop. Donc ça servait à ça en fait, hein. Moi je me suis compliqué la vie à tous les battre. Mais vous pouvez faire ça et c'est plus intelligent. Mais moi je suis né sans ce don, donc forcément c'est compliqué. C'est compliqué d'essayer d'en avoir en fait. Enfin bon, voilà. Par conséquent, ouais, en fait oui, il y avait juste à faire le tour. Mais vu que moi je suis un rentre dedans, bah voilà. Voilà, moi je tue des orques avec ça. Allez bien. On est bien. Wouh. Ah bah merde. Ok, on est de retour. Bon ça va, en fait c'est vraiment pas long à refaire. Allez, premier. Ouf. Regardez. Bam. Au revoir. Vous calmez les mecs par contre. Hein. Ouais. Je fuis. Non, je déconne, je reviens. Toi, tu te relèves pour mourir, c'est beau. Merde, je croyais qu'il était par terre. Aïe. Oh là là, le jugement final qui fait mal. Tiens, bonjour. Oh, t'as mangé toi. Oh, oh, oh. Bien. Genre il peut traverser, pas moi. Et genre quoi. Je sais pas si la contre-attaque fonctionne sur les araignées aussi d'ailleurs. Faudrait que j'essaie. Enfin pas tout de suite parce que j'ai pas de vie, mais plus tard. Merde, je croyais qu'elle était morte. Oui, il me saoule. Il est où? Pouf. Dans la toutée. Bon, j'ai toujours pas de vie, ça fait zizir. Allez, on y va. On se fait pas avoir deux fois. Oh, le mode parfait. Et boum. Oh là là, quelle beauté. Alors toi.
Ah, je les ai pas en visu là. Genre. Ah, voilà. Toujours pas. Ah, ok, ils se fight entre eux. Oh, le carnage. Oh, trop beau. Oh, c'est trop beau. Je dois avouer. Bon, évidemment, comme par hasard, les araignées crament pas. Alors qu'elles craignent plus le feu qu'autre chose. LP. Je crève quand tu veux. Hein. Ah, c'est bon. Bonjour. T'as fait tomber ma torche. Je vais me vénère. On vise quoi au juste? Ah. Rien. Ah, faut que je fasse très attention, j'ai plus de vie en fait. Allez, donne-moi un coup. Le voilà. On va la voir. Non. Oh putain, je les avais pas vus. C'est pas grave. Non mais meurs. Ah voilà. Oh, ça va être trop beau. Oh. Oh my god. C'est trop fort. Sam qui fait 1m20 les bras levés peut faire tomber des rochers d'une falaise. C'est tout simplement géantissime. On peut passer hein. Merci pour le passage du coup. Oh oh. Allez-vous-en. Voilà le level up qui fait zizir. Il reste une normalement, ouais, au fond. Ah, elle est morte, ok. Oulala. Oulala. On a vu quelque chose. Ah, point de contrôle. Ok. Ça veut dire qu'on va en chier pour la suite, ça fait plaisir. Mince, alors là, je voulais viser le suite gauche, après je me suis dit, bon, je vais aller sur suite droite et j'étais trop loin. Je suis en PLS. Tiens, au cac. Bonjour. Ah, je peux jamais faire ça contre eux, quoi. Pas le temps. D'accord, j'ai pas le temps non plus. Hop. Allez, et de 1. Et de 2. Allez-vous-en. Oula. Bonjour. Ouf. Ah non, du coup, faudrait que j'attende un peu, non. Oh oh. Aïe. Là, je suis un peu dans la merde, en fait. Ouais, je suis même mort. En réalité. Je suis même très mort, ouais. Ah, c'est bon. J'ai eu très chaud. Hein. On va faire un truc. Oh, genre. Genre, ça a pas marché, quoi. J'ai voulu la faire malin, mais le jeu, il m'a dit lol, no. Meurs quand tu veux. Merci. Non, en fait, c'est bon. Faut juste que... Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça fout des dégâts colossaux. C'est n'importe quoi. Allez, on avance. Ah. Oh putain. J'ai eu le réflexe de parer. Tiens! Merde, je crois qu'il y avait des ennemis. Ok. Mais non, en fait, c'est préférable de partir par là. Enfin, là-bas, je crois que c'est la fin de la... Enfin, c'est pas la fin de la mission, mais c'est un truc. Alors que là, c'est... C'est optionnel, on va dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a sûrement un truc là, quoi. Je
Ou alors faut obligatoirement aller d'abord là où je suis pour avancer et après on pourra continuer. Je sais plus. Je prends toujours les chemins qui me paraissent sans issue en fait en premier. Ouais, c'est toujours comme ça. Ouais, on a besoin de venir ici pour brûler la toile. Ouais, voilà. J'étais pas loin dans mon explication. Hein? Non, mais je sais pas. Non! Si fait. Allez, pop! Allez! Ah, voilà! Putain, Sam, il avait. Aïe! Il avait louché, je sais pas, il a mal visé. J'ai bien appuyé au bon endroit, mais bon. Apparemment, il m'a dit. Rêve! Oh non! Faites chier les mecs, sérieusement. M'empêcher d'avancer. Oula, mais ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je lui demande de viser là, le gars il vise de l'autre côté quoi. C'est la grosse joie. Voilà, c'est ici. Oh, Sam, voyons. On va le refaire. Cassez-vous, saloperie là. Oh. Il y a 3. Ok, non, 4. Très bien. Voilà. Heureusement que j'ai le réflexe de parer de temps en temps. Ok, j'ai dit ça, je me prends un coup. D'accord. Je crois que je vais m'avancer en fufu pendant quelques secondes avant. Ah bah, c'est la fin de la mission. Enfin, non, pas vraiment la fin. Non. Ah, point de contrôle, voilà. Allez, viens! On est bien! Oh, attends. Oh, j'ai une idée. Oh putain, je m'attendais pas à ça! Tu ne m'arrêteras pas! Oh là là, elle lui a crevé un œil! Elle est déjà mid life! C'est une blague! Holy crap! Oh putain, je suis revenu dessus quoi! Quel con! Ouais, ça va être le gros fun. Hein. Alors là, c'est là que je me dis putain, j'aimerais bien être Gandalf. On met un petit triangle enfoncé, une flamme doudoune et on n'en parle plus, tu vois. Mais non, ça se passe pas comme ça. Alors, c'est vrai que ça pourrait être marrant, j'ai jamais fait cette mission avec Gandalf, ça pourrait être drôle. Genre, tu crames des araignées partout. On va faire un truc. Attention, Assassin's Creed. Oh là 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 là. Non, mais elles sont vraiment chiantes ces araignées de merde. Oula. Ah oui, comme ça va, tu people quand même. Hop, projection. Oh. Oh. Putain, mais ce qui est chiant en fait, et ce qui est vraiment pas fun, c'est que t'es obligé de faire tout le temps la même attaque contre les araignées. Y'a rien qui marche contre eux sinon de différent. C'est super chiant. T'es obligé de faire croix. Parce que le temps de faire, si tu veux, des combos pour changer, pour t'amuser, pour varier, bah les araignées elles te disent non. Elles veulent pas. Counasse. D'ailleurs, vous pouvez... admire le magnifique cadavre de Frodon. On lui a concocté, lol, une petite tenue des familles. Il y avait un jeu de mots, c'était nul. Hein. Et bim! Qu'est-ce que tu as fait? Aïe! Mais non, par contre, ça c'est chiant ça. Elle court partout, c'est genre. Ah là 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 là, j'ai plus de pieds! Ah, j'ai plus de pattes! Ah! Elle est où ma patte? Elle est un peu hystérique en fait. Ow! Please! God, please, no! Bonjour. Ah là là, gros fun ces araignées. Regardez, je vais essayer un truc, voilà, ça marche pas. Parce que d'un coup, elles se mettent à attaquer, genre.
Alors moi j'ai fait 10 ans d'études dans le bruitage. Je pense que ça se ressent. Casse-toi. Oh la petite potion qui fait plaisir. Oh, j'allais dire un truc, j'allais dire mais ta mère. Mais non. Parce que leur maman elle est juste à côté de moi là. Genre elle est prête à me bondir sur la tronche l'araignée géante là chez Lob. Donc on va pas dire ta mère aux araignées. On va éviter du moins. On avait dit pas les mamans. Donc forcément c'est pas cool. Gros fun, regardez, j'essaie de faire une autre technique, ça marche pas. Ça c'est marrant. Enfin on fait du volleyball du coup. Le mec il a rien d'autre à foutre que de s'amuser à faire ça. Allez viens. Ah oh, putain, on sort de nulle part quoi. Tu te calmes. Oh, je vais me bloquer. Ah, j'en étais sûr que j'allais me bloquer. Intelligent comme je suis, je trouve toujours le moyen de me bloquer. Oh. Ok, ok, ok. Je me suis foiré. Encore. Oh, please, quoi. Il y en a tellement. Mon dieu. S'il y en a un qui me lâche une petite potion, je suis pas contre. Hein, parce que vous êtes chiante. Hein. Franchement, pour compenser votre chiancitude, une petite potion serait la bienvenue. Putain. Alors, je sais pas ce que j'ai eu en fait. J'ai eu un bruit de. D'accord, non, je m'en fous des flèches, très clairement. Hein. J'en ai rien à carrer. Alors là, tout va jouer au timing, je crois. Ah non. Allez, bien. On est bien. Reviens. Je n'en ai pas terminé. Monsieur Frodon. C'est Sam. Réveillez-vous. Pas endormi. Mort. On dirait que la vieille Shilob s'est bien amusée. La petite fripouille se réveillera et il regrettera d'être né. Ramenez-le à la forteresse. Donc voilà, on a vaincu Shilob. Malheureusement, elle n'est pas morte, elle est juste très gravement blessée, mais je pense qu'elle ne reviendra plus jamais nous casser les nouilles. Donc, de ce fait, on a level up de 2 niveaux, si je ne me trompe pas. Oh, parfait, bah, 27 parfait. Bon, c'est vrai qu'il y a une utilité à cette mission, c'est que tu peux farmer les kills en parfait. Bon, c'est vrai. Mais sinon, c'est nul. Bon, alors on est level 5. Et on a 31 000 points. Ok. Donc, comme vous le voyez... On était level 3 et on avait déjà acquis la tactique du Balrog pour le level 4 parce que je l'avais acheté en groupe. Donc ça c'est un truc vraiment bien. Donc de ce fait, vu qu'il reste une mission avec Sam, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète plutôt? La santé, c'est important. Ouais, ça c'est extrêmement important la riposte. Quand on se relève. Oh, ça c'est stylé ça. Oh là là. Oh, c'est très sexy. Oh mon dieu. Ça aussi on peut l'acheter. Ensuite. On peut rien acheter en groupe. Qu'est-ce que j'achète? Sachant que les dagues je les utilise vraiment pas beaucoup. Mais nuages sombres, il faut avoir le temps de canaliser, c'est pas forcément simple non plus. Donc au final, je ne sais absolument pas quoi acheter. Bon, la riposte...
C'est une nouvelle riposte en fait, enfin c'est une parade. Mais elle change, y a rien. Enfin, y a que la façon d'achever qui change, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de dépenser. On va acheter ça, allez hop. Ah, c'est dommage. J'étais pas loin des points nécessaires hein, de compétences. Hein. Donc, on doit être à quoi 60%. Ah non, 53. Bon, ça va. Ok, sauvegarde terminée. Donc, dans le prochain épisode, mesdames et messieurs, nous allons faire Ciri Tongol, qui est l'avant-poste des orques, juste avant le Mordor. C'est sur un côté du Mordor, justement. C'est un avant-poste. Et on a déverrouillé l'interview de Elijah Wood. Et donc dans le prochain épisode, ouais, on fera Ciri Tongol et après on fera les champs de Pelennor et la Porte Noire et après le gouffre du Destin. D'ailleurs, une mission très chiante. Bon, c'est la fin, mais vous allez voir, je vous spoil rien, mais elle est juste infâme. Mais c'est pour compenser parce que la mission de la Porte Noire est juste épiquenaise, donc forcément, fallait qu'ils compensent un peu et qu'ils mettent un truc chiant. Après, mais non, en tout cas, ce sera tout pour cet épisode numéro 9, je crois, de notre aventure sur le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!